Can you imagine any group that's more different than these five? Subatomic physicist, biomedical engineer, cinema scholar, and a neurologist interested in stroke and dementia prevention. However, as we met the people, it occurred to me that maybe we had something in common, rhythm. Les premières idées que Santiago a eues d'ailleurs lui-même, il disait, tu le sais peut-être pas André, mais il dit, dans les sciences cognitives ou neurologiques ou en neurosciences, ils utilisent souvent des métaphores sur le montage. On parle aussi de flashback, flash avant. On utilise beaucoup le langage cinématographique. Et il me disait même que parfois, il avait trouvé des chercheurs qui ne me connaissent pas du tout, mais qui citaient des choses que j'avais écrites sur le montage. So the brain is not only shaped by the environment, but it shapes the environment. Voir qu'on peut travailler non seulement sur le cerveau de façon générale, donc même lorsqu'on grandit un peu notre champ, on travaille, oui, sur le sommeil, mais là, de voir qu'on peut travailler sur le rythme, mais en musique, dans d'autres sphères, je trouve ça aussi vraiment intéressant. Le rythme, c'est quelque chose qui est extrêmement universel. C'est quoi les bases qui ne sont pas nécessairement spécifiques à un domaine en particulier, mais les bases communes qui se retrouvent dans chacun des domaines de tous et chacun qui sont ici. D'où est-ce que ça vient? Dans quelle mesure est-ce que c'est biologique? Dans quelle mesure est-ce que c'est culturel? Est-ce que l'un vient de l'autre? Est-ce que l'autre peut influencer l'un? Comment est-ce qu'on va former la relève? Les étudiants actuellement en formation à cette notion d'interdisciplinarité. Est-ce qu'on veut que la nouvelle génération soit parfaitement bilingue, autrement dit qu'elle puisse parler le langage d'un secteur et puis d'un autre aussi en même temps, de la même façon, aussi bien l'une que l'autre? Ou est-ce que l'idée c'est plus d'avoir une langue dominante, mais avoir beaucoup d'aisance dans une deuxième voire une troisième langue et que l'interdisciplinarité, l'intersectorialité serait plutôt ça finalement? Ça dépasse largement mes attentes. Puis ce qui a été fantastique, je pense qu'il y a eu énormément de discussions entre les gens. Puis plusieurs m'ont dit que ça a développé déjà des possibilités d'interaction avec d'autres chercheurs. C'est que pour nous, mission accomplie. Ça commençait vraiment avec une idée qui était très, très floue, qui n'était pas développée et qui était basée sur une seule notion, rythme, sans aucun autre élément qui l'entourait. Alors, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, je suis pas mal impressionné.